Si tu me regardes et que tu as 50 ans ou plus, ou que tu connais quelqu'un qui a passé la cinquantaine et qui souhaite devenir plus souple, ou tout simplement faire du sport, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer que c'est totalement possible, passé cet âge-là, de devenir plus souple, plus fort et tout simplement améliorer sa santé globale. Il faut savoir que 50 ans, c'est relativement jeune pour un sportif. Il y a des personnes qui ont passé 50 ans depuis bien longtemps et qui ont toujours une condition physique d'enfer, et ça tient pas que pour les anciens sportifs de haut niveau. Après 50 ans, tu peux totalement te mettre au sport. Faut savoir que la qualité de vie est en directe corrélation avec l'activité sportive. C'est donc important de faire du sport pour les plus jeunes, mais d'autant plus pour les personnes d'un certain âge. Que ce soit au niveau de l'équilibre, de la coordination ou tout simplement du risque de blessure, vous avez tout intérêt à développer vos qualités athlétiques. Par qualité athlétique, j'entends la force, la souplesse, la vitesse, l'équilibre, la coordination et le cardio. Si on se penche plus en détail sur la souplesse, voici mes conseils pour développer un corps sain et souple passé 50 ans. Tout d'abord, selon moi, il est très important de maintenir ses articulations en mouvement régulièrement. Par ça, j'entends de maintenir tout simplement régulièrement ses articulations dans leur plus grande amplitude, sans douleur. En gros, c'est tout simple. Vous allez tout simplement faire 2 fois par jour des rotations articulaires comme on vous a appris en EPS. Ce qui peut être pas mal suite à cela pour gagner en amplitude, ça va être d'ajouter des étirements dynamiques. Toujours en contrôlant et en ajoutant petit à petit de l'amplitude et de la vitesse. Encore une fois, ce qui est important, c'est de contrôler l'amplitude et de ne pas juste balancer son corps dans tous les sens, auquel cas on risquerait des blessures. De plus, selon moi, le renforcement musculaire est également très important et devrait faire partie de votre routine hebdomadaire. Selon moi, renforcer les muscles, les tendons et les articulations est super important, surtout à cet âge-là, pour éviter les blessures. Parce que oui, la musculation, ça renforce les muscles, mais également tendons, articulations, tissus conjonctifs, etc. Pour finir, je ne le dirai jamais assez, mais essayez d'avoir un mode de vie sain et une alimentation saine. Bien évidemment, je suis totalement pour les petits écarts. Je trouve que c'est super important afin de maintenir le cap et de pouvoir décompresser. Passé un certain âge, on a toujours un peu de pression et des responsabilités qui peuvent nous affaiblir aussi bien physiquement que mentalement. Alors comme toujours, pensez à prendre du temps pour vous. La santé, c'est aussi bien le corps que la tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un commentaire pour me le dire. Si vous avez des questions ou un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans la prochaine vidéo, faites-le moi savoir. On se revoit très très bientôt.